Toutes à tous, c'est Mi82 et on se retrouve pour l'épisode numéro 8 de notre deuxième Let's Play sur les Sims 4 avec notre cher Edouard Placard, les amis. Edouard Placard, notre shopper international qui est en train de se reposer. Effectivement, bon, après voilà, avoir chopé au moins déjà 30 filles, non, j'abuse, mais il a au moins eu déjà 10 conquêtes, le mec ne doit plus en pouvoir. Attendez, il en est à combien de conquêtes? Qu'on rigole un peu. Alors, hop, alors on en a une. Deux. D'ailleurs, il y a un bébé qui est né. Audrey Caliente. Donc voilà, Caliente a accouché. Donc, une, deux, trois. Oh, Clémence aussi! Clémence Patel. OMG, quoi. Alors, il y a une, deux, trois, quatre. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Voilà, 10 conquêtes à son actif, les amis. Alors, bon, déjà deux filles. Voilà, Edouard Placard, c'est gavé, hein, pour le moment, on va le dire. Et donc, du coup, aujourd'hui, les amis, ben, on va tenter aussi de choper une nouvelle conquête. On va essayer de voir qui c'est qu'on peut avoir. Donc, on lui met les forces au maximum à notre cher petit Edouard. Oh, il commence tôt sa journée, ben, c'est parfait, écoutez. Allez, on va vite fait prendre une douche. Voilà, se préparer pour nos conquêtes. Bon, Edouard qui est censé être sale, mais bon, pour choper, c'est plus facile d'être propre quand même, parce que déjà vu sa gueule, s'il pue la merde, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors du coup, on va faire un repas rapide comme d'hab, céréales. De toute façon, le mec a vraiment que dalle de Simflouz. Il a rien foutu de sa vie, ce mec, en fait. Il a rien branlé de sa vie. On verra ce qu'il devient. Et puis, bah, écoutez, on va y aller déjà. Quoi qu'il est 5h du mat, ça fait assez tôt, quoi. Ça fait assez tôt. Bah, tiens, va manger ton bol dégueulasse, là. T'as un autre bol. Ah. Voilà, par contre, là, il va pas être très bien. Il a un peu la gerbe. Ok. Bon, c'est compréhensible. Hein. On a aucun courrier, bien sûr, vu qu'on a aucune facture d'électricité. En même temps, on n'est jamais chez nous. Limite, on utilise à peine la télé. C'est bon, les gens des factures, ils doivent se dire ouais, on va pas le mettre de facture, ça sert à rien. Hop. Allez, les amis, on va s'attaquer à deux nouvelles femmes. Deux nouvelles bombasses, peut-être. Alors, qui c'est qu'on va pouvoir avoir? Ou choper, plutôt. Là, je crois qu'on a d'ailleurs... On touche bientôt à la fin de ce Let's Play, les amis, parce que... Ah, elle, c'est une adolescente, donc on ne pouvait pas... Non, je voulais pas du tout aller là, mec. Je voulais voir juste qui c'est qu'il y avait dedans. Putain, con de jeu. Ah oui, les amis, aussi, je voulais vous prévenir que le 9, j'étais invité chez EA pour tester en avant-première les Sims 4 au travail. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte de vous proposer une vidéo qui risque d'être vraiment épique. J'ai vraiment hâte, voilà, de vous mettre ça sur la chaîne, là, que vous voyez à quoi ressemble cet add-on et s'il m'a convaincu. Mais je pense déjà qu'il va me convaincre. Donc attendez-vous à une vidéo vraiment top. J'espère la faire rapidement. Normalement, elle sortira bah, du coup mardi 10. Mardi 10, vidéo gameplay des Sims au travail. Donc voilà, ça risque d'être sympa. Alors, elle, on l'avait eu. Bah écoutez, il reste ces deux femmes là. Et ici, il reste une femme. Bah écoutez, les amis, il ne reste plus que deux épisodes peut-être. Bon, et peut-être un dernier pour visiter, voir un peu quelle femme a eu un gosse et tout ça. Et voilà, connaître nos filles un peu. Allez, go. De nouvelles conquêtes. On va tenter de faire ça dans l'épisode. En espérant que ça fonctionne. Hein. Bon, je... Oh là 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 là. Cette baraque, putain. Ça, c'est pas une baraque de clodo, quoi. Là, on peut se dire qu'elle a une putain de maison, elle. Bon, on a de la chance avec Edouard parce que tout le monde est là à chaque fois. Ah! Bon, ben ouais, mais il y a que le mec là. Non, c'est pas vrai. Dites-moi quand même qu'il y a... Oh, mais bien sûr qu'elles sont là. Alors, présentation amusante, direct. Allez, on se lance. Ah, bah apparemment, elle reste à l'étage, c'est parfait, pour pas que la sœur voit tout ça. Allez. Oh, elle apprécie l'humour, ça se voit. Hop. Merde. Voilà, ils sont tranquilles, en train de discuter. On va faire flatter, toutes les femmes aiment les flatteries. Puis voilà, on va faire notre petit truc habituel, hein, les amis. On commence par de l'amical, hein, quand même, pour éviter de se planter. Bon, bah, avec Edouard, d'habitude, ça va. On va dire qu'on n'est pas illuminé
ruiner la journée de quelqu'un, on va dire qu'on n'est pas, on n'est pas à plaindre. Ah, c'est pro de la drague, hein, qu'est-ce que vous voulez. Allez-y, amour dragué. On commence. Bon, espérons que ce soit pas une rebelle, elle. Ouh. Déjà. Allez, on complimente sincèrement, complimenter la tenue. Pareil, complimenter l'apparence, ça, ça pourrait être sympa. Ah, ben, y a plus. Allez, on va retenter une technique de drague. Complimenter l'apparence, toujours. Est-ce que c'est possible? Allez, craque sur moi, ma petite. Craque sur moi. Ah, yes, c'est bon. Il y a un petit peu d'amour qui s'est mis entre nous. Oula! Il a débarqué d'où, lui? Ah, de l'escalier, putain, je me suis dit, il est apparu du mur. Qu'est-ce qui s'est passé? Parfait, mais écoutez, si ça y va comme ça... Ouais, non, tu as faim. Bon, ne casse pas les couilles, hein. On va faire toujours complimenter l'apparence. Pff, avouer son attirance, c'est un peu chaud, quoi. Non, pas draguer, si on fait toujours les mêmes actions, elle va commencer à péter un câble. Envoyer un baiser, allez, si ça fonctionne, on est pas mal. Yes. Allez, embrasser les mains, et puis là, je pense qu'on peut attaquer le premier baiser. Après le premier baiser, la première baise, le premier, on fait l'amour. Voilà. Si c'est pas beau, ça... Parfait. Draguer. Ah, attendez. Non. Essayez de faire un bébé avec Charlotte. Non, bah, non. Va faire un bébé avec Charlotte, s'il te plaît. Ah, oh, mais pas devant eux, putain. Ils vont pile devant eux, quoi. Oh. Non, elle a accepté. Non, mais t'as pas accepté. Non, elle a pas accepté. Oh, attendez, c'est pas possible. Non. Ah, vite, avant qu'elle se lasse, vite. Essayez de faire un bébé avec Charlotte. Allez, Charlotte, accepte. Bon, mais tu vas accepter, bordel de merde. Oui, tu iras faire pipi après. Mais putain, mais fais l'action. Non, mais elle est déjà d'accord. Allez, c'est parfait. Ouh, putain, elle a une booty, elle. Ouh, shake ton booty. Ouah, putain. Elle s'assoit sur la chaise, oh, elle l'écrase. Non, je rigole, c'est méchant. Non, mais c'est vrai que les femmes afro-américaines et tout ça, black, bah, elles ont surtout des fois des gros fessiers. Mais c'est vrai que les mecs black aiment ça, quoi. Bon, même des mecs français et tout ça. Mais c'est vrai que c'est une particularité qui me fait rire. Et puis, ouais, moi, je trouve ça sympa. Un petit booty. Allez, go. On fait... Voilà. Oh là. Mais what the fuck? Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Mais putain! C'est pas possible! Allez, tu veux pas te barrer là, s'il te plaît? Ouais, on a eu chaud. Allez. Maintenant, faut que je me fasse ta soeur, s'il te plaît. Ah, attendez. Peut-être que les soeurs vont discuter ensemble. Du coup. Bah écoutez, présentation de dragueuse. On peut tenter ça. C'est un peu peut-être chaud de faire ça à côté de la soeur, mais bon. Oh! Apparemment, elle a pas mal aimé. Écoutez, on va faire... Putain, complimenter l'apparence, déjà. On peut faire déjà des trucs romantiques avec elle, quoi. Bon, on va peut-être faire connaissance et tout ça, d'abord, parce que, bon, la meuf, elle va se dire... ouais. C'est qui, celui-là? D'où il débarque? Allez, complimenter la tenue. Ah, ça va, il est 11h. Oh, tranquille. Voilà. Et une fois qu'on a pas mal de petits trucs, on refait complimenter l'apparence. Draguer, pourquoi pas? Bah voilà, il y a déjà de l'amour, quoi. Non mais oh là là, il y a de l'amour dans l'air. Baratiner, bof, c'est pas terrible ça. On va faire enlacer. Enfin voilà, lui en plus il est chaud lapin ce mec. Oula. Par contre, non, tu veux pas? Non. Tu veux pas te barrer? Voilà, c'est bon. Barre-toi. Va voir ailleurs si j'y suis. Envoyer un baiser. Allez, est-ce que ça va fonctionner?
Ah! Ouf! Allez, draguer. Mec, fais des bons trucs, fais des bons trucs. Non, tu vas pas te pisser dessus quand même. Non, ça va, t'as le temps. T'as le temps, t'as le temps. Hop. On va faire amour enlacé. L'autre, elle attend à la porte! Ah non, elle est dans la salle de bain. Elle doit se dire, oh putain, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai couché avec ce mec qui drague déjà ma soeur? toujours, bah, complimenter l'apparence. Et puis là, je pense qu'on va pouvoir attaquer premier baiser. Allez, allez. Yes! Allez, essayez de faire un bébé avec. Ah, mais d'accord, pas encore. Putain! Ah si, essayez de faire un bébé! Non! Non! C'est pas possible! Mais c'est un dingue ce mec! C'est un dingue! Voilà! Bah écoute, tu vas aller pisser, tu vas aller dans la maison d'à côté, ça te dit? Allez les amis, je crois qu'il restera qu'un épisode après ça. Parce que là, bah, on a quand même pas mal défoncé, voilà, c'est le cas de le dire. Non, on a pas mal avancé. Allez hop. Appelle l'autre. Oh non, mais elle est déjà enceinte l'autre! Non mais what? Mais c'est quoi ce bordel, sérieux quoi? Bon, nous on se taille, hop, on ne dirait à personne, salut la famille! On se casse, oh là 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 là, non mais c'est le bordel, c'est le bordel cet épisode! Mais c'est pas vrai quoi! Edouard, c'est vraiment un ouf le mec, c'est vraiment un ouf! Allez hop! Let's go! Ah, c'est qui celle-là? Ça a l'air d'être la factrice. Allez, on va frapper à la porte directement. Pam pam pam. Yeah. La première maison que je vous ai fait pour la découverte des Sims 4, quoi. Elle a pas changé d'un pet. Oh, et elle est là, notre victime. Allez, hop. Salut. Alors, est-ce qu'elle est... Ouh, bah, elle a l'air déjà attentive à ce qu'on lui dit, c'est cool. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Amical, faire connaissance, on va la flatter bien entendu. Hop, allez voilà, on fait des petits trucs sympas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah non mais là j'ai vraiment la technique, hein, j'ai vraiment la technique quoi. Bon alors c'est ce mec qui a une technique hors norme, on sait pas d'où il la sort. Mais c'est vrai que ce mec réussit à choper mais n'importe qui. Attendez, bon on a mis en deux épisodes notre cher, bon je sais plus comment elle s'appelle. Mais qu'est-ce que tu viens foutre? Mais tu veux pas te barrer? Mais qu'est-ce que tu branles toi? Casse-toi la conne. Mais casse-toi la conne. Oh là là, la vieille bique de mes couilles là qui se ramène. Non mais putain, mais c'est toi que je veux draguer? Non, c'est ta pote. Allez, ciao. Ciao l'ami. Non mais là en fait je veux draguer ta pote en fait. C'est même pas toi, tu vois, je m'en fous de toi. Voilà, du coup ça fait un truc de groupe. Oh putain, mais c'était obligé qu'il y ait une casse-couille qui vienne nous faire chier quoi. Alors attendez, je vais aller là-bas. Voilà, dans mes conversations de groupe, je veux même pas la finir ta conversation de groupe. C'est mort, c'est mort. La meuf qui se fait chier, en fait, elle est obligée de venir. Voilà, donc, voilà, tu restes faire tes affaires ailleurs, la vieille. Merci. La vieille qui a un manque d'affection. C'est bon, elle a pas vu un mec depuis 10 jours, là. Elle fait, ouah, mais t'as un mec dans la baraque. En plus, il est beau gosse. What the fuck. Ah, super. Hop. Bah, c'est parfait. Écoutez, on a déjà fait nos petits trucs. Sympa. Hop. On va faire amour. on refait draguer après. Yes. C'est pas bon ça? Envoyer un baiser. Putain, non, mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible qu'on soit aussi fort. Qu'on soit aussi fort en drague. Bah écoutez, premier baiser. Allez, c'est parti. Bah voilà. Mais c'est trop facile à force. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, offrir une rose et ensuite, c'est parti, on part dans ta chambre. Hop, ah, pas encore. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Plus de choix, amour, embrasser les mains. Enfin voilà, on va faire des petits trucs sympas. Incendie. What the fuck? What the fuck? Oh, on a une héroïne avec nous. Edouard qui panique comme un gros débile. Allez, on a une boss ici, qu'est-ce que vous croyez? Voilà. Non mais tu vois. Non mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, reviens là.
Allez hop, on va faire là, hein, on n'a pas le temps. Non, mais pourquoi elle on peut pas? C'est bizarre ça. Embrasser. Attendez, c'est parce qu'on n'a pas l'amour assez haut. Ah, on n'a pas l'amitié assez haut peut-être. Ah ouais, fait chier. Hop, on va faire, je sais pas, amical, discuter des centres d'intérêt, voilà, améliorer un peu notre amicalité. Ah putain, elle, ça va être plus chaud que prévu. Complimenter la tenue. Oh mais qu'est-ce qu'il a, lui, il a toujours faim, c'est pas possible ce mec. On va faire drôle, raconter une histoire drôle. Enfin voilà, on va faire des petits trucs pour augmenter notre... Ouais, c'est pas une fille facile en fait peut-être, hein, c'est... Voilà. Non mais attendez, elle est revenue s'incruster dans la converse. Non mais elle, mais c'est des claques dans sa gueule qu'il lui faut. Mais putain, mais qu'est-ce que tu casses les burnes, la vieille. Mais dégage, mais... Mais regardez-la. Mais voilà, mais c'est une débile, hein. C'est une débile mentale, hein. Ah, je vous jure. Elle est débilos. Je vais voir ce qu'ils disent. Maintenant je reviens. Non mais elle est revenue encore. Non mais elle est revenue. Mais c'est quoi? Ah, essayez de faire un bébé, allez. Allez, parfait. Wow. Lorsqu'il a été choqué, quoi. Bon, mais écoutez, les amis. Ben voilà, c'est la fin de notre épisode. On va rentrer chez nous tranquillement. Et puis, les amis, on a chopé toutes les filles. Des filles réussies. Voilà, voilà. Pas d'applaudissements, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pas d'applaudissements, voilà. C'est comme ça. Voilà, on a réussi le défi, les amis. On a chopé toutes les filles des Sims 4 pour le moment. Donc, Edouard Placard, notre cher Edouard Placard, a forniqué avec tout le monde et rentre chez lui sereinement. Donc, nous verrons dans un prochain épisode de mercredi prochain, bien entendu, ce qui s'est passé, voir quelles femmes ont eu des bébés et tout ça. Mais en tout cas, voilà, je suis super content. Ce let's play est super et a fini vite en fait. Il a fini super vite. Mais bon, franchement, je crois que c'est un des let's play où je me suis le plus marré. Tellement c'était n'importe quoi, ce let's play, c'était horrible. D'ailleurs, j'ai pas mangé chez elle, fait chier. Bon, bah écoutez, pour le dernier repas, on va se cuisiner un petit truc. Des macaronis au fromage. Hop. Allez, on va se faire ça. Et en tout cas, franchement, c'était une super expérience, ce let's play. J'ai bien rigolé. Donc vous inquiétez pas, je reviendrai dans un prochain épisode pour montrer un peu les enfants, hein, les enfants d'Edouard Placard qu'il a pu avoir, c'était assez marrant. Et puis bah écoutez, on va se coucher et finir sur ce, les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un masse de j'aime pour ce Edouard Placard, pour le féliciter, voilà, de tout ce qui s'est passé, parce que franchement c'est The Chopper, ce mec, ok. Je le mettrai sûrement sur la galerie si vous voulez le télécharger ou quoi, dans le dernier épisode. Et puis moi je vous dis à ciao ciao les amis pour un prochain épisode. Salut. Bon, il avait l'air content d'y jouer. Oh! Oh putain! Vite! Vite! Voilà! 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 Putain! Vite! Vite!